tiramisu, c'est une activité qu'on a développée, moi et Jessica, ma copine. La pâtisserie, ça a toujours été une passion pour moi. Je suis amatrice de pâtisserie, tout ce qui est gâteau, etc. Et les tiramisu, bah, depuis que je suis petite, je voyais ma mère les faire et j'ai appris avec elle. On s'est dit, pourquoi pas créer une petite activité, ouvrir un commerce à deux, mais quelque chose qui sort du commun, quelque chose qu'il n'y a pas sur Marseille. On voulait pas travailler pour quelqu'un, on voulait vraiment faire nos choses à nous, créer un nouveau concept, créer un endroit convivial, que les gens puissent se retrouver autour d'un tiramisu avec une boisson, faire leur goûter ou des repas en famille. On a trouvé ça, on a mis en place et voilà, ça c'est parti de là. On peut personnaliser ces tiramisu. Alors on propose 7 saveurs et après pour les suppléments on en a 13. On peut passer commande par les réseaux sociaux, on est sur Instagram et on a une page Facebook. Et après sinon on a un numéro de téléphone ou via Just Eat et Uber Eats. On travaille à deux. C'est elle qui fait quand même les montages, tout ça, mais je l'aide quand même à préparer les tiramisu. C'est elle qui fait sa pâte et tout ça. Et plus dans la partie technique, moi, je l'aide à faire un peu la finition. On est passé par une association qui s'appelle Positive Planet, qui nous aide à monter tout ce qui est le business plan, l'étude de marché, etc. Ensuite, ils me renvoient vers la G, la G Finance, et ils proposent aussi des formations pour nous accompagner, pour ne pas nous laisser comme ça. On ouvre le commerce, ils nous accompagnent pour des stratégies commerciales, savoir comment cibler ses clients, développer son commerce. Nos projets pour la suite, on voit haut, grand si j'ai envie de dire. On aimerait bien développer le tiramisu avec les grosses entreprises, faire des gros partenariats. Pourquoi pas rentrer le tiramisu dans le stade Vélodrome, ce qui est inimaginable. C'est vraiment des projets qu'on essaie de développer, rentrer le tiramisu vraiment avec les pros. Et on a créé ce concept pour que les particuliers qui aiment le tiramisu peuvent venir consommer sur place, se régaler dans une bonne ambiance, tranquille quoi. Aujourd'hui on est super contents, on n'a aucun regret et on est fiers de notre parcours. Je suis né à La Valentine, donc dans le 11e arrondissement. J'ai eu un parcours classique, général. J'ai été au lycée en première économique. C'était pas mon truc. Je me suis tourné vers la cuisine. Ensuite, après la pizza. La pâte à pizza, en quelques mots, donc c'est une pizzeria familiale que j'ai créée il y a 4 ans, qui est basée à La Plaine, qui propose de la livraison et de l'emporter. On fait de la pizza artisanale, on fait de la pizza plutôt haut de gamme, avec des produits frais, des produits du marché, des bons produits. La pizzeria au quotidien, j'arrive à 17h, je commence à ouvrir, je prépare la pâte, je prépare l'ouverture pour 18h30, l'ouverture officielle. Jusqu'à 22h30, on prend des commandes en livraison à l'emporter. Les gens nous appellent directement au téléphone, on prépare leurs commandes. Pour les voisins, ils descendent les chercher, sinon on leur amène. La Plaine, j'y ai vécu avec des copains quand j'étais plus jeune. Donc du coup, je connaissais déjà un petit peu le coin. Je connaissais déjà quelques commerçants. J'avais déjà un pied dans le quartier. C'est un quartier populaire, donc c'était propice au bon développement de la pizzeria. Plus ou moins, tout le monde m'a encouragé à me lancer. Tout le monde voyait que j'étais super motivé et que j'avais envie de réussir. Au tout début, quand j'ai commencé à réfléchir à mes projets, j'ai poussé la porte de Positive Planet, qui m'a aidé à bien poser mes idées, faire le business plan, l'étude de marché, vraiment réfléchir à quoi, comment, voilà. Et ensuite, une fois que j'avais bien réfléchi, que le projet était bien mûr, j'ai poussé les portes de l'ADI. L'ADI m'a accompagné sur une aide financière pour équiper le local et mettre en place l'ouverture de la pizzeria. Et ça s'est fait très rapidement. Dans le mois qui a suivi, j'avais le capital sur le compte et c'était parti quoi. We'll be right back.
j'étais ancien militaire de carrière, donc sous-officier, j'avais des responsabilités, des initiatives à prendre, donc ça m'a donné quand même le goût du challenge aussi. Et de fait, à la fin de mon cursus militaire, j'ai travaillé en tant qu'enseignant de la conduite. Donc je me suis dit, là, il y a un problème, il y a un souci, il manque quelque chose. Donc j'ai voulu adapter en fait une pédagogie et des tarifs qui sont appropriés aux personnes dans cette nécessité. Donc c'est pour ça que je suis arrivé donc à la volonté de créer une auto-école. Mais je me suis effectivement présenté à des murs, notamment les financeurs, les banques qui n'ont pas cru au projet que je voulais proposer. Je me suis retourné vers l'ADI, l'ADI m'a fait confiance. C'était assez rapide, en 48 heures, moins d'une semaine en fait, voilà. J'ai pu avoir donc ce prêt-là, qui m'a permis déjà de pouvoir avoir une trésorerie assez conséquente pour pouvoir partir rebondir sur l'achat d'un véhicule et l'achat notamment de matériaux pour les travaux et matériel pédagogique. On a eu aussi donc Planète Adam, voilà, Sylvain qui s'est bien occupé de notre projet, qui nous a aidé à le ficeler pour l'amener au bout, voilà, et qui a pu donner naissance à notre bébé. Actuellement, donc, la société Dream Conduit donc, a 2 ans. Voilà, bientôt, là, 2 ans, dans quelques jours. Et puis, maintenant, ça nous fait 2 agences. On arrive donc avec des partenariats, on a des salariés, on a 7 salariés actuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours garder l'aspect, le côté humain. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ouais, c'est dur, créer ma boîte, etc. etc. » Mais bon, il y a des excuses partout. On peut trouver des excuses tout le temps. Tu as envie de créer ta boîte, crée ta boîte. Trouve les bons partenaires. Pose-toi les bonnes questions. Prends le temps que ton projet arrive à maturité. Ne te précipite pas. Enfin, s'il faut bosser 2 ans, 3 ans pour avoir les fonds, etc., faux, voilà. Et surtout, ne laisse jamais personne te dire que tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que nous, on est arrivés. Pose Beauté, c'est une onglerie qui est située dans le 1er arrondissement à Marseille. Donc c'est une activité que j'ai créée en 2014, donc aujourd'hui elle a 5 ans. C'est exclusivement de l'onglerie, c'est une activité qui marche pas mal. Je commence à être reconnue dans mon métier à Marseille. J'ai fait une formation dans un premier temps d'esthétique, dans une école d'esthétique, et puis j'ai compris que c'est pas de l'esthétique pure que je voulais faire. Exclusivement de l'onglerie. Donc j'ai fait des formations d'onglerie qui vous apprennent tous les secrets de ce métier-là. Je vends aussi des bijoux, c'est une prestation complémentaire. Et je fais aussi l'extension de cils que je ne pratique pas actuellement, mais qui sera développée dans les prochains mois. J'ai grandi dans le 3e arrondissement, au Parc Bellevue, à Félix Piat. J'ai passé un bac pro commerce, centré sur le service relation client. Et puis un jour, j'ai décidé de rentrer dans la vie active. Donc j'ai travaillé pour Orange Canal+, enfin chez un sous-traitant. Et un jour, j'ai dit non. Je veux faire vraiment ce qui me passionne et ce qui me fait rêver. J'avais envie d'avoir une relation professionnelle-client, mais en direct, sans passer par une hiérarchie. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer ma boîte. Dans un premier temps, j'ai démissionné. J'ai décidé de tout plaquer, voilà, pour me concentrer sur le point de la formation, parce que c'était le point de départ. Je me suis renseignée auprès des organismes, donc le Pôle emploi, la mission locale. Et par la suite, ça a été recherche de financement. Donc, à qui demander? Ça n'a pas été facile, mais finalement, quand on a les bonnes informations, on sait vers qui se tourner. Et moi, c'est l'ADI qui m'a aidée. Ça a été plutôt enrichissant de rencontrer des personnes qui vous aident, et pas que financièrement, parce que on vous donne un peu le chemin à prendre, qui contacter, comment faire. Donc il y a plein d'interrogations qu'on se pose à 23 ans quand on crée sa boîte, et on n'a pas forcément toutes les réponses, et on s'en pose tous les jours, parce que clairement on sait qu'on prend un gros risque. Voilà, on saute dans le vide, et c'était un peu mon parachute.
Depuis 2014, Mefta Transport, c'est transport de marchandises, moins de 3 tonnes 5, moyennant des véhicules légers. Et on distribue toutes sortes de marchandises. C'est une belle équipe, j'en suis assez fier. Ça m'a pris du temps pour avoir une équipe aussi soudée aujourd'hui. C'est des collaborateurs, c'est même plus des employés, parce que dès qu'il y a un problème, tout le monde se mobilise. Aujourd'hui, on est à 8 et j'espère dans 2 ans, on est 10, 12, 14, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Kader, à 15 ans, il n'avait plus envie d'aller à l'école. Il sortait du foyer, il était plutôt collègue et la rue et les bêtises. À 18 ans, il s'est un peu plus réveillé. Il a compris que s'il voulait réussir, il fallait travailler. Le déclic, ça s'est fait avec mon ancien employeur. Le jour où je lui ai demandé une augmentation, c'est là qu'il m'a expliqué que si je voulais une augmentation, il fallait que je crée ma boîte. C'était marrant, mais c'était vrai aussi. Et je l'en remercie. Tout le monde m'a dit, ouvrir une entreprise, bof, c'est dangereux, c'est plus d'actualité, ça peut être risqué. De toutes les informations que j'ai eues, on n'a pointé que les risques. J'ai eu une petite poignée de personnes qui m'a dit, tu devrais entreprendre. Si tu es sûr de toi, tu vas y arriver. Je me suis rendu compte qu'il fallait de l'argent, beaucoup plus que je pensais. Et c'est là que j'ai rencontré l'ADI et que j'ai ouvert leurs portes. Là, j'ai trouvé des gens qui m'ont écouté, qui m'ont conseillé, qui m'ont dirigé et qui m'ont aidé, qui m'ont prêté de l'argent aussi pour créer ma boîte. Je pense que le seul échec que j'aurais pu rencontrer aujourd'hui, ça aurait été que je ne prenne pas la décision de créer mon entreprise. À entreprendre à Marseille, c'est bien quand même. C'est bien parce qu'on est dans une belle région. Et il y a des associations, comme l'a dit, il y a des acteurs, il y a des choses qui se font, ça bouge. Donc Marseille, je ne sais pas si j'ai eu de la chance d'être ici, au bon endroit et au bon moment. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais pour ma part, Marseille, ça a été un plus pour moi. Aujourd'hui, Only Pro, moi je suis le président du groupe. Aujourd'hui, on est 24 à ce jour. On a une activité principale qui est le management d'artistes, qui est notre activité historique. Mais par rapport à des opportunités, des rencontres, on a aussi un développement aujourd'hui dans l'immobilier, dans la promotion, dans l'investissement foncier, dans l'hôtellerie. Et on a une activité qui est en train de se développer depuis 4 mois sur le management de sportifs. Le parcours d'Only Pro, il part d'une boîte à chaussures en 1999. J'étais avec mes 3 compères, Mej, Sopra et Jamal, au Mikokoulé d'ailleurs. C'est là où on a rencontré Mourad de l'ADI à l'époque. On voulait monter quelque chose. On voulait faire quelque chose en fait ensemble de nos vies. On s'est dit bon, soyons pragmatiques, on veut sortir un disque, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir un disque? On a fait notre petite liste sur un bout de papier et on a avancé pas à pas. Bien sûr, on a fait énormément d'erreurs. On a dû apprendre tout, le marketing, la distribution, parce qu'au début, on n'était pas dans les magasins. Donc on s'est dit comment faire pour être distribué dans des endroits où il y a des gens qui passent. Puis avec le bouche à oreille, petit à petit, ça a pris. On a sorti un premier CD, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce qu'on ait trouvé des distributeurs nationaux qui acceptent de sortir nos CD, puis signer avec des maisons de disques et développer des artistes, notamment Soprano sur sa carrière solo. Après, ça a explosé. Et pour en revenir à Mourad, il était des Mikoukoulis, il connaissait bien Mej. Comme il était à l'ADI, il m'explique un peu ce que c'était. Moi, comme j'avais aucune formation de création d'entreprise ou chef d'entreprise, où j'avais fait qu'une formation à la chambre de commerce avec un mec qui m'avait fait halluciner, je me suis dit, mais je vais droit dans le mur si j'écoute tout ce qu'il me dit. Et au final, j'ai intégré l'ADI, ça m'a permis pendant un certain temps de pouvoir faire avancer mon business sans trop de me préoccuper de monter ma boîte, le ci, le ça, j'étais hébergé là-bas. Et quand j'ai senti que le modèle économique commence à ronfler bien,
Bah, j'ai créé la boîte parce que nous, quand on a commencé, on regardait les Américains. Moi, je regardais Jay-Z. Il est encore dans mon bureau aujourd'hui et je me disais, putain, ce mec-là, quand même, il part de là, il a réussi à faire ça, ils ont réussi à faire ça. Si eux, ils ont réussi à le faire, nous, on peut le faire. En tous les cas, de rêver, ça coûte rien. C'est la seule chose qui coûte rien, il n'y a pas besoin de financement. Il faut juste mettre dans son lit ou à une terrasse de café et se projeter dans quelque chose qui fait vraiment vibrer à l'intérieur. Que ça se réalise ou que ça ne se réalise pas, peu importe, mais déjà, le bon moment qu'on a passé, il est déjà gagné. Mais il faut pas avoir peur, il faut avoir du soutien, surtout ça compte énormément parce que seul on peut pas se lancer. Mais si tu as envie toujours de rester dans le quartier, à trouver des excuses, à essayer de papillonner à droite à gauche, tu vas jamais arriver au bout. C'est bien beau de se plaindre tout le temps, mon boulot, mon job, mon patron, etc. etc. Mais à partir du moment où tu fais rien pour faire changer les choses, bah tu n'as pas le droit de te plaindre. Mon dicton à moi, c'est que bah, si on prend pas de risque, il nous arrive rien. Donc même si on échoue, l'essentiel, c'est d'avoir tenté. Je pense que le seul échec que j'aurais pu rencontrer aujourd'hui, ça aurait été que je ne prenne pas la décision de créer mon entreprise.